je m'appelle Laurent Kratz, j'ai 55 ans, je suis ingénieur informaticien et j'ai créé Neofacto, qui est une société d'ingénierie basée à Luxembourg, Bruxelles et Paris. Donc j'ai créé Neofacto en 2000. C'est une société d'ingénierie qui a une particularité parce qu'on fait vraiment de l'innovation. Nous sommes spécialisés sur les développements mobiles, les développements front-end. Et on a une grosse compétence aussi autour de tous les projets blockchain. Alors, le marché de l'IT à Luxembourg est plutôt florissant, c'est-à-dire qu'on a un effet Covid qui est plutôt positif, puisque les clients qui étaient un peu lents à faire des projets de digitalisation, avec les contraintes liées à la situation sanitaire, redoublent d'efforts pour aller plus vite et donc ont besoin de sociétés d'ingénierie comme nous pour les aider à mener à bien ces projets. Alors les étudiants Epitech, évidemment, c'est une si ce n'est la meilleure école de France en ingénierie informatique, répondent au marché luxembourgeois et en plus, par rapport à Neofacto, qui a dans son ADN plutôt des ingénieurs que des financiers, l'aspect curiosité, l'aspect intérêt de la technologie correspond tout à fait à ce que nous recherchons.